risque partagé. Une seconde. Tu n'es pas fou au point de compromettre nos bonnes relations de voisinage pour ce ridicule petit oiseau? Ouais, compromettre. Ça serait même pas une bouchée pour un seul de nous deux, alors, hein? Ouais, c'est vrai, c'est qu'une demi-portion. Oh, mais moi, j'étais malade. Alors, que dirais-tu si nous le remettions à sa place et si nous l'oublions? Ouais, on va l'oublier. Ouais, c'est ça, oubliez-moi. Je vais le remettre sur son poteau comme si on l'avait jamais vu. Débrouillez, ah non, et à un moment, Sylvestre, c'est moi qui vais le remettre. Je voudrais surtout pas que tu risques de tomber et que tu te blesses, ou pire, peut-être. Mais pourquoi veux-tu prendre tous ces risques, mon ami? On va remonter tous les deux. Tu as eu là un geste bien délicat, mon cher Sylvestre. Je t'en suis reconnaissant. Bon, et ben voilà. Ouais, voilà. Alors, salut mon vieux Sam. Salut et à bientôt mon cher Sylvestre. Il est stupide ce ça. Ouais, vous en êtes un autre. Eh ben, quel caractère soupçonneux. Tu vois, il faut jamais se fier aux apparences. On peut souvent se tromper. Si on s'en tient au fait, cette petite créature, ce pauvre petit oiseau, pouvait avoir soif ou avoir besoin de quelque chose. Et j'ai pensé... Enfin, je suis venu voir s'il allait bien, quoi. Et tu comprends. Remets-le en place. Oh, tu crois que je ne voulais pas le remettre à sa place? Mon vieux, non. Je trouve ces soupçons révoltants. J'ai peut-être tort, mais on sait jamais, j'ai pas confiance en eux. Ah oui, aïe, c'est... Ah, la ferme. Thank you.
fin. Ton sale petit plan vicieux ne réussira pas. Tu sais, je voulais juste voir si le petit allait bien. Et maintenant, je vais te montrer un truc qui t'empêchera de recommencer. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est d'être un petit titi sans défense.